Richard Emmanuel Estes, Bastien Lelu, bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues, une idée reçue sur la science et les scientifiques. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur les scientifiques? Alors, la plus courante, je ne sais pas, mais une idée reçue très courante, c'est la figure du scientifique comme personne qui incarne le savoir absolu, qui est coupée de la société. On peut voir ça dans les scientifiques du passé, que ce soit Galilée, Newton, et tant d'autres. Et là où il y a une idée reçue, c'est que ces scientifiques, bien souvent, quand on y regarde un peu plus précisément, n'étaient pas du tout coupés du monde, mais bien au contraire, ils étaient très ancrés dans la société. Lavoisier, par exemple, ou Pasteur, sont des scientifiques très connus, et c'était de très grands entrepreneurs également. Newton avait des intérêts commerciaux très importants dans l'Angleterre de son époque. Voilà, d'un point de vue des figures historiques, je pense que c'est une idée reçue très très courante de voir ces scientifiques détachés alors qu'ils ne l'étaient pas. Et à votre sens, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement sur les scientifiques? Alors il y en a sûrement plusieurs. L'une par exemple est celle qui consiste à vouloir absolument séparer la science de ses applications, qui nous semble un peu dangereuse au sens où elle tend à déresponsabiliser le scientifique quant à ses découvertes. Une autre qui me déplaît personnellement, c'est celle qui tend à rapprocher la science de la notion de vérité. L'idée de vérité scientifique ou l'idée d'une science qui dévoile les lois de l'univers me semble propre à développer son impérialisme par rapport aux autres connaissances, voire à la rapprocher des religions. Au contraire, on a essayé dans cet ouvrage de développer l'idée selon laquelle la science essaye d'expliciter la nature et l'univers, tout en laissant la place à d'autres formes de connaissances qui la rendent justement moins impérialiste. Richard Emmanuel Estes, Bastien Lelu, je vous remercie. Merci.